Coucou Émilie, Bonjour comment Ria. ça va? Bonjour. Alors, on a un presque un même événement qu'on est en train de préparer toutes les deux sans communiquer autour vraiment. Donc tu vas faire une session d'atelier ou un atelier pour les parents, c'est ça? Alors, moi, je vais faire une conférence sur l'impact de la musique et du son sur le cerveau et le corps. Donc, ça pourra être à tout public, en fait. Ça sera pour le moment une conférence, une web conférence. Donc, n'importe qui, enfin, tout le monde peut s'inscrire, du coup, pour justement faire de la prévention sur les risques, du coup, liés à l'utilisation de la musique ou du sonore de manière inadaptée. Moi, je suis plus spécifique en fait. Ça sera vraiment pour les parents. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu. Et le danger justement du bain sonore, tellement agréable. C'est agréable les cris des bébés, mais quand ça devient en permanence, justement, ça peut être dangereux sur le corps d'abord et sur le cerveau. Et je vais faire une session d'atelier. Le mois de septembre là, et je suis contente. Donc, ça sera Boulogne-Billancourt entre le 17. Donc, normalement, là, on est le combien? Le 9, je crois. Entre le 9, non, entre le 27, à partir du 27 septembre jusqu'au 18 octobre. Donc, quatre ateliers pour un groupe de parents. Certainement plus de mamans qui allaitent ou qui, voilà, c'est la nature, c'est comme ça. Mais c'est un groupe de parents, on va se retrouver dans un super local dédié justement à l'art thérapie à Boulogne-Billancourt. Et on va justement travailler sur le sonore, les émotions et comprendre qu'est-ce qui se passe, le stress que génèrent ces cris, comment gérer et comment comprendre ses propres émotions pour justement pouvoir s'occuper du bébé. C'est ce que j'avais pas avec mon premier. J'étais complètement déconnectée de mes émotions. Et c'est tout un travail que j'ai fait avec moi-même sous la surveillance de la musique. Je dis toujours, elle est tellement bienveillante, cette musique. Elle me protège et du coup, voilà, c'est sous le sens de l'écoute. Voilà. Et sinon, toi, ça sera où? Alors moi, ce sera en ligne. Ce sera le 22 septembre au soir, donc à partir de 20h. Donc en ligne, il suffit de s'inscrire auprès de moi. Ça sera sur une seule web conférence. J'avais l'habitude de faire des cycles, mais cette fois, j'en fais qu'une seule pour ce semestre-là. Et puis du coup, bah, voilà, ça va être plus large sur plutôt les impacts des sons dans notre quotidien et jusqu'où le cerveau peut supporter, jusqu'à quel degré de décibels le cerveau peut supporter sans en être impacté et à partir de quel niveau du coup il y a danger, mise en danger, même si on n'en a pas conscience, même si ça nous fait pas mal. Voilà, repenser un petit peu tout ça et du coup, bah, c'est de la prévention quelque part, hein. Voilà. Mais c'est génial, comme ça les parents ils pourront avoir une conférence avec toutes les théories. Vraiment, ils vont être bien informés et puis venir dans les ateliers. Mais il faut habiter à Paris. Et du coup, venir et ça serait génial. Donc, je mets les deux liens d'inscription en dessous de la vidéo. Émilie est accessible dans le monde. Donc, c'est une conférence ouverte pour tout le monde, là où vous êtes, et pour compléter ces connaissances théoriques, vous pouvez venir directement à Boulogne-Billancourt pour quatre sessions d'atelier, et peut-être un jour toutes les deux ensemble. Émilie, on va Très cool. voir. Bah, merci beaucoup et Bien. bonne conférence. À plus. À bientôt. Bye.